Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la dernière box arrivée chez moi, qui est la Cute Box de août. Si vous suivez le blog, vous avez déjà pu lire la review de la Cute Box de juillet, qui était sur le thème des beautés asiatiques. Celle de août est sur le thème des princesses. Cute Box est une box lifestyle qui contient une dizaine d'objets qui peuvent être produits cosmétiques, bijoux ou objets divers. Donc chaque mois il y a un thème différent et tous les objets sont en rapport avec ce thème. La box est sans abonnement, elle coûte 24,99€ et est disponible pour la France et la Belgique. Pour la Belgique, elle arrive via Mondial Relay. Et en général, c'est un tout petit peu plus long que pour les Françaises. Alors, donc comme je vous disais, la box de ce mois-ci est sur le thème des princesses. Je vais vous montrer le contenu. Tout d'abord, à chaque fois, il y a un contenant. Le mois passé, c'était une ravissante trousse panda. Mais ce mois-ci, pour les princesses, c'est une boîte métallique avec des dessins qui représentent parfaitement le thème. Cette boîte est bien sûr accompagnée du menu, comme dans toutes les boxes. Voilà le menu, avec un dessin de princesse. Les visuels sont réalisés par My Black Mini Dress. À l'intérieur de ce menu, vous avez la liste de tous les objets qui se trouvent dans la boîte. Il faut aussi savoir que chaque mois, il y a une ou plusieurs boîtes qui ont un petit bonus. Ce mois-ci, pour les princesses, le petit bonus a été mis dans une boîte au hasard. Et c'était ici un petit sac dans le ciné Hello Kitty. Le mois prochain, la box sera sur le thème des animaux pour septembre. C'est noté ici. Voilà. Je vais vous montrer le contenu de la box et pour ça, je vais suivre le menu. Donc on va commencer par le premier qui est un bloc de pommes. Voilà. Voilà le bloc-notes pomme. Il se présente comme ça. Un bloc-notes, c'est toujours utile. Il se déplie. Alors, il peut s'attacher avec le petit trombone qui est fourni. Hop. Et quand il est attaché, il a même une petite queue en bois qu'on peut mettre dedans. Mais bon, c'est pas essentiel. Voilà. Donc vous avez après la parfaite petite pomme. Ensuite on a une bague nœud. Alors tous les petits objets de cette box cette fois-ci étaient dans un ravissant petit carrosse en carton. Un truc que j'ai déjà ouvert. Et donc il y a la bague dorée avec un nœud. Voilà. Pour moi, elle est un peu étroite. Je pense qu'il y a moyen de l'agrandir. Et je ne suis pas très très bijou, mais c'est toujours sympa. Voilà. Ensuite, on a le porte-cartes. Le porte-cartes lui fait noter Daisy Love et qui vient de Cookie Shop. Il est en plastique. Il sent un peu le plastique. Il est assez petit pour être mis dans un portefeuille, je pense. Il y a une poche ici et une poche là, derrière, transparent. Voilà. Ensuite, on a le strap miroir. Le strap miroir, il est là. Un strap, ça peut s'accrocher au GSM, au portefeuille, au porte-monnaie, au sac, peu importe. Là, il est en forme de rose blanche, mais derrière, c'est un miroir. Toujours aussi super pratique d'avoir un miroir sur soi. Voilà. Ensuite, on a le mini set de papier à lettres de la marque Rilakkuma. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais je crois qu'à l'intérieur, il doit avoir 4 ou 5 feuillets. Là, il me semble que c'est des petites enveloppes et là, des autocollants ou des petits cartons. Voilà, tout mignon. Ensuite, on a le seul produit cosmétique de cette boîte de haut, qui est un masque pour le visage en tissu, en partenariat avec Korean Makeup. Voilà,
Alors, si vous avez lu la précédente review qui était avec rempli de produits cosmétiques, vous avez dû lire que je m'étais plainte que tout était écrit en coréen. Mais sur ce produit-ci, c'est aussi, il y a aussi des petits descriptifs en anglais. Ici, à l'arrière, il y a aussi le mode d'emploi en anglais. C'est toujours mieux, hein. Et là, c'est à ce à quoi on ressemble quand on le met. Ensuite, on a le pendentif carrosse qui est super mignon. Je crois que c'est mon objet préféré de la box. Voilà le pendentif carrosse. Hop, qui est assez long. Une chaîne assez longue, voilà. Il n'est pas très lourd. Et alors, il s'ouvre. C'est aimanté là. Et il s'ouvre. Très sympa. Voilà. Ensuite, on a les boucles d'oreilles roses, qui ne sont pas roses et qui sont blanches. Ça aussi, c'est super mignon et j'en ai déjà plein. Que j'avais acheté sur Etsy. Mais celles-ci paraissent plus solides parce que quand on chipote, quand on tire, on voit que c'est vraiment solide. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est blanc pailleté avec des petites paillettes vertes. Je mettrai une photo plus rapprochée, enfin j'essaierai de mettre une photo plus rapprochée sur le blog. Ensuite, on a le plug couronne que j'ai déjà cassé. Mais un plug couronne, ça casse toujours, un plug, ça casse toujours super vite. Donc voilà, c'est un petit plug avec une tête en couronne. Hop. Et là, il y a un petit diamant. Un plug, ça se met dans le trou du GSM par exemple. Voilà, moi je l'ai déjà cassé. Mais ayant déjà utilisé beaucoup de plugs, je peux vous dire que ça finit toujours par se perdre dans le sac ou par casser. Voilà. Ensuite, on a deux barrettes roses, dont une rose et une noire. Voilà. Elle aussi semble être solide. Et pour finir, du moins presque finir, on a le stylo couronne. Donc là, c'est une couronne. Là, il y a quelques petits dessins. Et là, il fait noter Love Forever. C'est un stylo bleu. Ça aussi, c'est toujours super pratique. Et je vous disais que c'était pas exactement fini. Sur le menu, il fait rien noter de plus. Mais il y a quand même en plus deux petites pinces à linge en forme de cœur. Voilà. Dans celle de juillet, tout non. Il y avait aussi des petits objets qui n'étaient pas indiqués. Donc voilà, c'est la petite surprise de la boîte. Petite pince à linge. Voilà qui conclut la review de cette box. Je vous ai montré tout le contenu. Je vous rappelle que celle de septembre sera sur le thème des animaux. Elle a été mise en vente pour la première vague le 7 septembre et la deuxième vague, ça sera le 12 septembre. Attention qu'il n'y a que quelques centaines d'exemplaires, donc il faut être assez au taquet si vous voulez en choper une. Et voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Je reviendrai bientôt avec probablement une autre review ou une vidéo sur de make-up cosmétique. Comme d'habitude, je ferai un billet sur le blog en rapport avec cette vidéo. Par contre, normalement, cette vidéo sera mise en ligne avant le blog, le post sur le blog. Donc, je updaterai par après dans la barre d'infos le lien vers le billet du blog. Vous pourrez retrouver différentes photos plus en détail. Je vais essayer de vous montrer bien précisément à quoi ressemblent les petits objets. Voilà, comme d'habitude aussi, vous pouvez laisser vos commentaires. Je lirai tous, j'essaye d'y répondre le plus souvent possible. Mais si c'est vraiment urgent, je vous conseille de plutôt m'envoyer un MP, comme beaucoup de gens, plusieurs personnes l'ont fait. Et ça, là, vous êtes sûr d'avoir ma réponse plus ou moins rapidement. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut !